Très chers téléspectateurs, chers et dames, bienvenue une fois de plus à votre programme. Passage oblige vous revient pour parler, bien sûr, de la RDC, notre pays, bien sûr, qui a fêté, comme vous le savez, ses 64 ans d'indépendance. 64, bien sûr, je le dis avec précision, 64 ans et après, qu'est-ce qui reste à faire, qu'est-ce qui doit être fait? Voilà. Des émissions comme ça demandent du cerveau, bien sûr, parce que c'est une sorte d'autopsie, mais aussi une sorte d'ordonnance médicale qu'on peut aujourd'hui réaliser afin que la RDC puisse vivre et vivre mieux. Voilà pourquoi nous avons fait appel à Monsieur Jesse Numbi John. Voilà, avec lui, nous allons devoir parler de ce Congo et il est initiateur d'un mouvement dont il parlera lui-même dans cette émission. Voilà, alors Monsieur John, une fois de plus, bonjour et bienvenue. Vous n'êtes pas pour la première fois ou encore ça ne sera pas la dernière. Merci beaucoup Cédric, c'est un grand plaisir de me retrouver sur ce plateau. Mm-hmm. Je suis obligé de toute façon. Toujours. Je suis obligé de passer par ici, comme le dit votre intitulé. Alors, nous sommes également obligés de faire appel à vous quand il s'agit de la RDC, parce que vous êtes initiateur d'un mouvement patriotique. Hein. Oui, nous sommes passionnés par la RDC. Donc, chaque fois qu'on discute RDC, chaque fois qu'on parle de mon Congo, je pense que je me vois obligé de participer. Je ne me tairai point pour la RDC. Je serai toujours là, je ferai tout ce que je peux pour que ce pays puisse se relever. Je crois en ce Congo. Notre Congo, c'est votre initiation, je le dirais ainsi. Ouais, nous avons lancé un mouvement patriotique que nous appelons notre Congo. En fait, comme je venais de le dire, nous avons la passion de ce pays, mais il faut aussi dire que cette passion est un devoir. C'est un devoir patriotique, c'est même un devoir divin. Ah oui? Un devoir divin parce que... parce qu'au-delà de ça, vous êtes aussi chrétien. Je suis chrétien. Ouais, je suis chrétien. Dieu nous a donné ce pays. Il ne nous l'a pas donné juste pour que nous puissions passer sur la terre et partir après. Il y a un mandat que chaque Congolais a reçu de Dieu. Donc, il y a quelque chose que Dieu attend de chaque Congolais. Et je pense que c'est ce travail que nous allons faire ensemble, c'est rappeler à chaque Congolais son mandat, ce que Dieu lui a envoyé faire dans ce pays. Dieu ne nous a pas envoyé seulement pour faire un tour et rentrer au ciel, mais il faudra que nous puissions impacter notre environnement, que nous puissions impacter cette terre. Rappelez-vous d'Adam, Dieu lui dira « exploite ce jardin ». Préserve-le, conserve-le, rends-le plus beau qu'avant. Qu'avant, voilà. Alors, notre Congo, c'est ce mouvement patriotique dont vous êtes initiateur. Alors, en quoi il est différent d'un parti politique? Alors, nous sommes différents d'un parti politique parce que nous n'avons pas encore les attributs d'un parti politique. Nous ne participons pas aux élections comme telles, mais à la différence aussi, c'est que nous ne nous contentons pas du positionnement idéologique parce que généralement les partis politiques s'opposent entre eux par rapport à la recherche du pouvoir. Mais nous sommes un mouvement patriotique au-delà de ce qu'on appellerait un mouvement civique. Nous voulons effectivement amener les Congolais de tous bords, les Congolais de tous les partis politiques, les Congolais de toutes les croyances à comprendre quelle est la mission que Dieu leur a donnée. Quel est leur mandat par rapport à ce pays? Pourquoi vous êtes né Congolais? Alors, c'est une question qu'il faut se poser. Ce n'est pas par hasard que vous êtes né Congolais. Et qu'est-ce que vous avez fait pour ce pays? Il ne faudrait pas que nous puissions chaque jour nous mettre à nous plaindre parce que bah, moi, j'ai entendu des gens dire « Ekiki Mugini, Tukiyuzi, Chetou, Tukabulane Makuta ». Je ne suis pas d'accord. Oui, mais c'est même, ça fait très mal. Très mal. D'entendre même des chrétiens se permettre de dire « Ekiki Mugini, vous savez, le pouvoir est sur votre langue. Ce que vous confessez, ce que vous croyez en vous, c'est ce qui risque d'arriver. Alors, lorsque nous émettons des énergies négatives
sur notre pays, effectivement, ça affecte notre pays. Et c'est pour ça que nous voulons rappeler à tous les Congolais quelle est votre responsabilité spirituelle, votre responsabilité socio-économique, votre responsabilité politique, votre responsabilité par rapport à ce pays. Lutter à l'intérieur et à l'extérieur sont des choses différentes. Alors, qu'est-ce qui vous motive à choisir cette option-là? Déjà, je dois vous dire que je suis un acteur politique. J'ai évolué dans des partis politiques. J'ai vu les faiblesses qu'il y a dans les partis politiques et les limites qu'il y a dans les partis politiques. Parce qu'on s'est concentré sur une image où, d'ailleurs, dans la définition, on vous dira conquérir le pouvoir, le conserver le plus longtemps possible. Mais même si vous l'exercez mal. Voilà, mais l'on oublie qu'il y a une mission quand vous prenez le pouvoir. Premièrement, c'est prendre le pouvoir, certes, mais c'est avoir une vision par rapport à ce pouvoir-là. Ah oui. C'est exercer ce pouvoir pour le bien-être des de la population. Voilà. Pour le bien-être de la population. C'est une mission. Vous savez, faire la politique, c'est une vocation. Moi, je pense que c'est un appel de Dieu, c'est un sacerdoce. Mm-hmm. Quand vous avez une mission comme celle-là, c'est pour des millions de Congolais, c'est pour des centaines de millions de populations et pour toute l'Afrique. Alors, lorsque vous ne prenez pas au sérieux cette mission, je pense que c'est là que nous dérapons. C'est là qu'aujourd'hui, par exemple, 64 ans après, nous sommes encore de tourner en rond. Ça nous pose un gros problème. Nous nous sommes dit, nous voulons redonner de l'espoir aux Congolais. Parce que beaucoup de Congolais commencent à perdre espoir. Ils ont perdu l'espoir dans les partis politiques. Vérifiez aujourd'hui, vous allez constater que les Congolais n'ont plus la soif d'aller dans les partis politiques. Ah oui. Pourquoi? Parce que la méthodologie ou la méthode que les autres appliquent. Un, il y a, comme je vous ai dit, c'est quoi l'objectif? Avoir le pouvoir. Avoir le pouvoir pourquoi? Pour le pouvoir. Mmh. Il a le pouvoir pour le pouvoir et conséquence, il n'engage que sa famille, il ne donne le pouvoir qu'à ses frères. Il y a un seul roi qui règne. Voilà, et c'est sa famille, c'est un petit groupe d'individus qui bénéficient de tout, et les autres sont là en train de trimer, voilà. Et ils s'en foutent. Et ils nous narguent même. Mmh. Voyez-vous, dans les discours des politiciens, ils viennent, ils nous racontent n'importe quoi, et la population est là, naïf parce qu'il manque un leadership qui va le relever. Mmh. C'est ça le problème. C'est pour ça que nous nous disons, chacun a une mission, et nous avons notre mission, c'est effectivement de conscientiser ce Congolais-là à se dire, ce pays n'est pas l'affaire d'un groupe d'individus. Non seulement par rapport aux bénéfices, mais aussi par rapport à l'action. Donc, il ne faudrait pas que nous puissions laisser l'action à un petit groupe et réclamer le bénéfice après. Il faudrait que nous puissions comprendre que cette affaire nous concerne tous. Donc, c'est vraiment notre Congo. C'est pour ça que nous avions dit, c'est notre Congo et nous voulons redonner de l'espoir aux Congolais en disant, un autre Congo est possible. Ce que je voulais d'ailleurs parler de ce slogan-là. C'est un concept que nous avons... Ça fait longtemps, là. Oui, ça fait très longtemps. C'est depuis 2017 que nous avons lancé ce slogan que beaucoup de politiques ont même récupéré pendant la campagne passée. Ah oui. Mais malheureusement, certains ne comprennent même pas l'idée qui est derrière. Mm-hmm. En fait, le concept « un autre Congo est possible » n'est pas un concept de rébellion, comme certains le croient, le pensent, parce qu'ils se disent, non, est-ce que c'est Ozoluka Congo ou à Fachite, Ozoluka Congo ou à Telete. Le Congolais a l'esprit figé sur les hommes. Voilà, figé sur les individus et figé sur alors le présent. Mais nous sommes dans l'idéal, nous sommes dans les pensées et nous nous disons, un homme, c'est la philosophie d'abord. Alors, c'est la pensée. Notre pensée, c'est de dire, chaque Congolais doit comprendre qu'un autre Congo est possible. Et c'est-à-dire quoi? Nous nous disons, ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas tout. Il ne faudrait pas que nous croyions que nous sommes maudits et que c'est impossible le d'avoir... Le Congo a beaucoup de potentialités qui ne sont pas le potentiel, exploiter. Le potentiel est là. Et nous croyons, nous, non seulement le potentiel est là, et même la promesse est là. Mmh. Moi, je suis chrétien, je vous dis, je crois qu'il y a la promesse, il y a beaucoup de prophéties sur ce pays, et je crois en ce pays, je crois que ça va s'accomplir. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait d'abord que le Congolais ait de l'espoir, qu'il croie en son pays. Nous devons y croire. Avant d'aimer ce pays, nous devons y croire. Nous devons croire que ça sera mieux demain, ça sera mieux dans quelques temps, si nous le voulons. C'est pour ça que nous disons, un autre Congo est possible, deux points, notre Congo. C'est-à-dire, ce Congo que nous voulons rendre possible doit d'abord être notre affaire. C'est notre Congo que nous voulons. Celui que nous avons l'impression que c'est celui que les Belges nous ont donné et ils nous ont légué avec tous les aléas, avec tous les problèmes qu'il y avait. Et nous n'avons pas encore compris que nous devons changer la philosophie de ce pays, changer même dans l'essence, même dans ses origines.
l'âme de ce pays. Nous devons changer l'âme, curer l'âme de ce pays pour que nous puissions avoir le Congo de nos rêves. Nous devons curer l'âme de ce pays pour avoir le Congo de nos rêves. Alors, je voudrais qu'on parte d'un constat que vous avez fait vous-même, sur vos réseaux, bien sûr. Vous dites, 64 ans après l'indépendance, la RDC n'arrive toujours pas à décoller. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Que devons-nous faire? Alors, je vous repose les mêmes questions, vos questions. Je voulais effectivement penser avec les Congolais. Il y a des Congolais qui réfléchissent, mais il y en a qui aiment réfléchir en coulisses, n'aiment pas réfléchir à haute voix, parce que certains ont toujours peur de dire ce qu'ils pensent, de peur que les gens vont les accuser de ceci ou de cela. Vous savez, nous devons d'abord comprendre une chose, que ce pays nous appartient, comme je viens de le dire. Ouais. Il nous appartient à nous tous. Ce n'est pas l'affaire d'un individu. Alors, lorsque nous parlons de notre pays, il faut arrêter de la fixation sur des individus. Non, pourquoi il dit ça? Parce qu'il n'aime pas tel. Et pourquoi il dit ça? Parce qu'il est de telle couleur. C'est ça aussi la faiblesse des partis politiques, parce qu'on a même, on a tellement polarisé le débat politique au point que les gens ne sont pas libres d'aller au-delà. Même les marchands au marché ont toujours des couleurs. Oui, tout à fait. Mais le problème des couleurs n'est pas un vrai problème, mais le problème, c'est de se figer dans les couleurs, jusque même dans la pensée. On est incapable de réfléchir au-delà de ce qu'on nous a dit. Est-ce qu'il ne faudrait pas dire aux Congolais que la différence d'opinion, c'est une richesse que l'on peut exploiter? Premièrement, la richesse, la démocratie voudrait qu'il y ait de la tolérance et qu'il y ait un débat. Et on dit toujours que c'est du choc des idées que jaillit la lumière. Donc, c'est très important que les Congolais comprennent que nous ne pouvons pas émettre sur les mêmes ondes. Nous devons avoir des différences de conception et c'est ça qui va faire la force de ce pays. Mais deuxièmement, il faudrait que nous soyons aussi capables d'aller au-delà de ce qu'on nous a dit, c'est-à-dire chemin battu. Parce que notre parti politique a dit ça, parce que notre leader a fait ça, nous allons l'accompagner même s'il est dans l'erreur. Non, il faudrait que nous soyons capables de nous regarder en face et de nous dire, ici, c'est pas correct, ici, c'est bon. Moi, je pense que nous devons être de ces Congolais-là, et moi, je veux bien être ce Congolais-là, qui voudrait, quand c'est positif, nous disons c'est positif, quand c'est négatif, nous le disons aussi. Donc, c'est ça le travail que nous voulons faire avec notre Congo. Dépassionner le débat, dépasser ces lignes qui sont déjà tracées par les politiciens, mais qui sont des fausses lignes en réalité, parce que nous sommes tous Congolais et nous souffrons qui nous ensemble. Qui nous mènent vers leur bonheur. Mais bien sûr, parce que quand aujourd'hui, par exemple, nous avons des problèmes, nous avons des problèmes sécuritaires, ça n'affecte pas qu'un groupe de Congolais, ça n'affecte pas un seul parti politique, ça n'affecte pas les membres d'une seule tribu, ça affecte tous les Congolais. Quand nous avons des problèmes d'inflation, par exemple, ça nous affecte tous. C'est pour ça que nous disons, il faut une prise de conscience pour que nous comprenions que les politiciens ont des ambitions. C'est normal. Et nous le leur concédons. Mais nous, Congolais en général, politiciens ou non, devrions savoir que nous avons aussi nos ambitions et que ces politiciens ne doivent pas nous empêcher d'avoir nos ambitions, ne doivent pas nous empêcher de réfléchir notre Congo. Alors nous disons, 64 ans après, il y a des choses qui n'ont pas marché. Alors la première des choses, nous devons repenser le pays. Nous devons repenser le Congo. C'est la première des choses. Et qu'est-ce qui n'a pas marché? Presque tout n'a pas marché. Nous avons mal géré ce pays. De 60 à aujourd'hui, nous avons regressé. Moi, je n'étais pas là en 1960, mais lorsqu'on me raconte ce qui s'est passé en 1960, sur le plan socio-économique par exemple, cette ville de Lubumbashi avait ce qu'on appelait quartier industriel. Il y avait des industries, on fabriquait du savon, on fabriquait du lait, on fabriquait pratiquement tout ce que nous mangions ou tout ce que nos parents mangeaient. Parce que moi, quand même, les années 80, j'ai goûté quelques produits locaux, des produits locaux plutôt. Mais aujourd'hui, il est difficile même le pain d'imaginer. Oui, mais produit localement. On avait des pagnes à Lubumbashi ici, à Kinshasa, on avait à Kisangani. Donc, on avait des entreprises qui produisaient un peu de tout. Et la RDC était classée parmi les premiers pays producteurs de l'huile de palme, par exemple. De palme, de beaucoup de produits. Hein, oui. Vous savez, lorsqu'on parlait, même le maïs, on nous classait quelque part. Même l'huile de palme, le caoutchouc. Même dans l'exportation des cerveaux. Le café, tout ça. Même, on a les médecins. Même, on a les médecins congolais qui étaient très appréciés en Afrique du Sud. Non seulement en Afrique du Sud. À l'époque, les Sud-Africains venaient se faire soigner aux cliniques universitaires de Lubumbashi. Voyez-vous, donc non seulement on avait des bons médecins, mais on avait aussi des infrastructures qui pouvaient rivaliser les pays d'Europe, voyez-vous. Mais aujourd'hui, par exemple,
nous n'avons rien. Nous n'avons rien, nous avons tout détruit. Allez visiter un tout petit peu nos hôpitaux ici, l'hôpital Saint-Doué, que l'on vante souvent, des réfections cette année, réfections l'année prochaine. Mais allez un peu le visiter. Réfection en peinture. Ah ben allez un peu visiter, vous allez voir ce qui se passe là-bas. C'est vraiment nauséabond. Il y a des choses que nous devons refaire. Et la première, comme je venais de le dire, nous devons repenser. Parce que ce qui n'a pas marché, c'est le Congolais lui-même. C'est comme ça que tout le monde a toujours dit ce qui n'a pas marché, ce qu'on n'a pas su changer le Congolais. Quand le Congolais a repris la gestion de ce pays, le Congolais ne s'est pas mis à la hauteur de sa tâche. Voilà. Ne s'est pas mis à la hauteur de ses responsabilités. Alors nous étions là, en train de vouloir jouir, la gouvernance zéro, la corruption a atteint le comble, c'est devenu pratiquement un cancer, difficile de l'extirper, parce qu'une fois que vous voulez retirer la corruption de notre pays, vous avez l'impression que c'est un malaise que vous créez et que le pays risque de s'écrouler. Aujourd'hui, on a les dossiers Lampadaire et autres. Ah ben, vous savez, même le chef de l'État lui-même, il se plaint. Vous pouvez vous imaginer. L'appareil judiciaire elle-même, lui-même, se plaint. Le gouvernement se plaint. Alors, qui va faire quoi? Si tout le monde est incapable, donc à un niveau, le pays est vraiment à plat. Et je pense que c'est ici que le Congolais ne doit pas laisser l'affaire à un individu. Il faudrait pas dire Tshisekedi, t'allais la vie sur l'Ikamoy. Non, c'est pas l'affaire de Tshisekedi, c'est pas l'affaire de Madame Souminois, c'est pas l'affaire du gouverneur ou de qui que ce soit. C'est notre affaire. Et nous devons nous impliquer totalement. Et parce que vous parlez de l'homme congolais, Joseph Kabila Kabange, de son existence en tant que président de la République, à sa sortie, il dit ceci, c'est que je n'ai pas réussi à faire changer l'homme congolais. Est-ce que vous lui faites, vous lui donnez raison aujourd'hui? Tshisekedi entrant, je pense bien, dans une des provinces de la RDC, il dit Mboka Ekufa Kala. Je pense que c'est ce que je suis en train de dire. Et ça fait très mal. Personnellement, j'ai très mal. Parce que si le premier citoyen, la première personnalité du pays s'exprime ainsi, alors nous autres, qu'est-ce que nous faisons? Donc c'est comme si on nous... Moi, j'aime pas trop ce discours. Parce que c'est un discours qui crée le désespoir. Voilà, qui crée le désespoir, qui fatigue la population. Et la population se dit, alors là, voilà, c'est un aveu d'échec. C'est un aveu d'échec. Ouais. Alors, quand on n'arrive pas à le faire, et surtout quand on dit le pays est déjà mort, nous, on sait que le pays est là où il est. Ce dont nous avons besoin, c'est des solutions. Qu'est-ce qu'on en a fait? C'est ça ce que nous voulons. Nous ne voulons pas savoir qu'est-ce que vous n'avez pas fait ou qu'est-ce que vous ne savez pas faire. Dites-nous ce que vous avez fait pour le changer. À quelle hauteur vous êtes arrivé pour changer le Congolais? Si vous n'êtes pas parti ni de nulle part, alors arrêtez. Si vous sentez que ça ne marche pas, arrêtez. Il faut savoir démissionner dans ce pays. Et il faudrait que nous puissions être capables de nous regarder les yeux dans les yeux et de dire, messieurs, ici ça ne marche pas, laissez que les autres s'y essayent. Mais si vous voulez bien essayer, alors il faut mettre les batteries en marche pour que ça marche. Le changement, c'est aussi l'action. On ne peut pas seulement rester dans les vœux. On ne peut pas réciter. On ne peut pas faire des vœux pieux. Mm-hmm. Nous sommes là, nous voulons bien, la volonté, oui, mais nous voulons voir des actions. Vous avez parlé de la corruption, mais nous devons commencer par quelque part. J'ai vu des actions commencer avec beaucoup de bruit avec l'IGF. Bon, salut à l'IGF pour le travail qu'il est en train de réaliser. Mais alors, il faudrait que la justice puisse l'emboîter le pas et que nous voyons les retombées de cela. Sinon, ce sont des vœux inutiles. Alors, qu'est-ce qui amène le Congolais à être la cause principale aujourd'hui du régressement de notre nation? D'abord, il y a l'inconscience. Je pense que ce pays, le Congolais a l'impression de vivre dans un pays qui ne lui appartient pas. Le Congolais a l'impression d'être un mercenaire un mercenaire à qui on a donné un pays. Mm-hmm. Voyez-vous? Donc nous sommes là, voyez même dans le langage. Dites seulement à un Congolais que pourquoi vous jetez du papier ou de la saleté sur la rue, il vous dira « Oui, je t'ai changé, Kimoukine. » Ah oui. « Kimoukine, y'a boé. » Donc c'est comme qui dirait « Ça n'appartient à personne, c'est un bien sans maître. » Le Congo, comme dans son essence, et j'ai lu le professeur Malalé, je pense qu'il a raison et qu'il faut peut-être rentrer déjà dans l'âme du Congo. Le professeur Malalé explique que déjà à la naissance du Congo, le Congo est né pas comme un État, mais plutôt comme un bien sans maître, comme un boulevard.
C'était un territoire qui ne devait appartenir à personne et que tout le monde devait y rentrer pour faire les affaires, pour aller jusqu'au fleuve, plutôt à l'océan. Et c'est ainsi que les actionnaires, parce que le Congo a même été créé comme une entreprise, exactement, comme une entreprise, des actionnaires, les 14 actionnaires, 14 ou 15, ont mis leur argent. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'impression que cet esprit est resté dans l'âme du Congo. Il faudrait peut-être l'extirper. Et le Congolais est là comme un gestionnaire, comme un mercenaire. Il gère pour ses propres... Vous voyez, le Congolais, quand on lui donne un poste, il se comporte comme un mercenaire. Un mercenaire, c'est-à-dire qu'il vient, bon, en fait, il veut s'en faire vite. Voilà, je ne sais pas quand c'est ce genre. Voilà. Donc c'est ça le problème. Donc le premier problème est à ce niveau-là. Comment nous regardons ce pays? Est-ce que nous le voyons comme le nôtre? Est-ce que c'est ton affaire? C'est pourquoi nous disons notre Congo. Il faudrait que le Congolais se sente propriétaire. Vous imaginez, dans votre parcelle, quand vous devez jeter la boue, la saleté, je ne pense pas que vous jetterez partout. Parce que c'est votre maison, parce que c'est votre propre maison dont vous êtes propriétaire, et non pas locataire. Alors imaginez que vous êtes seulement locataire. Bon, à un moment, vous vous dites, bon, même si j'arrangeais, de toute façon, ça ne m'appartient pas, je serais obligé de partir d'ici là. Donc, le Congolais devra d'abord revenir à corriger cette âme de son pays. Nous devons revenir au sentiment que ce pays nous appartient. Mais les politiciens nous ont aussi mis un peu dans cette situation où le désespoir a fait que le Congolais croit à la malédiction contre son pays. Et vous allez constater que des chrétiens, ils viennent du stade où ils ont fait une prière du matin jusqu'au soir, avec beaucoup de bishops, avec beaucoup de prophéties. Mais en quittant le stade, juste en quittant le stade, ils laissent d'abord la saleté. La saleté au stade. Au stade, ils vont chier un peu partout. Chrétiens, hein, s'il vous plaît. Et puis après, en cours de route là, ils commencent à tenir déjà un langage négatif. Voilà. Comment votre prière va accéder dans les lieux célestes si vous-même vous n'y croyez pas, voyez-vous? Donc nous devons d'abord revenir à ce sentiment-là. Nous devons aimer notre pays. Mais comment revenir? Mais comment revenir alors que le programme scolaire n'y prend pas garde, parce que moi j'ai appris les bonnes manières à l'école, mais mon enfant ne l'apprend plus. Mais vous avez raison, mais le problème, c'est là que je vais essayer d'expliquer une chose. Je vous ai dit qu'il y a le spirituel dans tout ça. Vous savez, lorsque Dieu voulait restaurer une nation, il suscitait des prophètes. Ce pays a aussi besoin de ses prophètes. Je ne parle pas des... écoutez, ne faites pas la confusion. Hein. Je ne parle pas des gens qui vont passer nécessairement à la télé pour vous dire la couleur de vos habits ou est-ce que vous avez dormi hier. Ce n'est pas ça. Voilà. C'est pas ça que je parle. Je voudrais parler des gens qui ont une mission du Seigneur, une mission de restaurer. Ces gens qui viendront pour effectivement rétablir cette vérité-là dans l'âme des Congolais. Et comment le faire? Premièrement, ces gens doivent être intègres. C'est cette intégrité que nous recherchons. Ils doivent prêcher ce qu'ils font et non pas des gens qui vous disent des choses et qui ne le font pas. C'est comme des gens qui vous disent, voilà, moi je ne veux pas de la corruption, mais lui-même est le premier à plonger ses mains, ses deux mains et même sa tête ou sa bouche dans la caisse de l'État. Voyez-vous, donc c'est pas de ça dont on parle. On a besoin des gens qui se sacrifient, des vrais leaders comme Jésus-Christ. C'est un leader modèle, il s'est sacrifié et il est venu annoncer un nouvel évangile. Et ce nouvel évangile, Christ est venu et il a changé des gens, ça a transformé des gens. Et ça commence par quelque part. Vous avez parlé de l'école. Nous définissons dans notre Congo quatre autorités. La première autorité, c'est l'État. L'État doit jouer son rôle. Effectivement, en organisant tout ce qu'il faut organiser, en sanctionnant là où il faut sanctionner. Parce que quand l'État est absent, rien ne se fait. Comme aujourd'hui, nous avons l'impression qu'il y a un problème de l'absence de l'autorité de l'État. Deuxièmement, il y a l'école. L'autorité de l'enseignant a disparu, mon frère. Vous parlez de votre élève. Mais votre élève, là, vos parents, vous ne pouvez pas tolérer qu'un enseignant puisse gronder votre élève. Ça pose déjà un problème. C'est impossible. Les enfants ne respectent plus leurs enseignants. Alors que nous, on avait été bastonnés quand même à l'école. Écoutez, nous, l'enseignant, c'était un petit dieu. Ah, l'enseignant, oui. C'était un petit dieu, ce que l'enseignant a dit. On a réduit tout le pouvoir de l'enseignant. Oui, on l'a réduit à rien, parce que l'enseignant est mal payé. L'enseignant, avec les écoles privées aujourd'hui, vous voyez ce que ça fait. Moi, j'ai été enseignant une fois, j'ai dû arrêter parce que ça ne marchait pas avec ma philosophie et ma croyance. Quand vous arrivez devant un enfant, on vous dit non, c'est soit vous, c'est soit l'enfant. Oh non, non, c'est pas possible.
Donc, on a bafoué l'autorité de l'enseignant et il n'y a rien qui peut marcher. Troisième, c'est l'autorité de la famille. Le père n'a plus d'autorité. Mais qu'est-ce qui fait la force d'un homme? Ici, à Lubumbashi, on dit « Bunga ». Mais si le papa est incapable d'amener même un sac de farine, comment voulez-vous qu'il ait de l'autorité sur ses enfants? Si le papa ne sait pas louer une maison pour mettre ses enfants à l'abri et que les enfants doivent se débrouiller pour aller dormir dans une boutique ou dans un kiosque au coin de la rue, vous vous imaginez? Comment ce parent aura encore de l'autorité sur ses enfants? On a bafoué l'autorité de la famille. On a bafoué l'autorité de l'école, on a bafoué l'autorité de l'État. Mais il y a aussi l'autorité de l'Église. Aujourd'hui, l'Église n'a plus assez d'autorité. Mais pourtant, tous les Congolais sont chrétiens. En fait, 99%, il paraît. Ils sont chrétiens, ils sont dans des églises. Mais en même temps, il n'y a pas d'amour. En même temps, la corruption. En même temps, le vol, le détournement. En même temps, rien ne marche. Tous les détourneurs, là, sont frères. Ils sont frères dans une église et ils donnent la dîme. Et ils donnent la dîme. Chaque dimanche, et on prie pour eux et on prophétise sur eux que voilà, tu vas encore continuer, comme ce qu'ils diraient, frère, tu vas prospérer. Il va prospérer comment? Dans la corruption. Il va continuer à prospérer. On ne lui prêche plus. L'autorité de l'Église a aussi disparu. Et là, il y a les responsabilités sont partagées. Très partagées. Chacun doit prendre ses responsabilités pour que l'autorité revienne. Est-ce que c'est monsieur le Belge qui nous a induit vraiment en erreur? Alors, la responsabilité du Belge est réelle par rapport à l'indépendance. Mais moi, personnellement, je ne voudrais pas que nous puissions continuer à pleurnicher sur... À jeter sur lui. Ah oui, jeter tous les sorts, toutes les pierres sur... Ça fait 64 ans. Voilà, 64 ans. C'est comme un garçon qui a perdu son père alors qu'il avait déjà 33 ans et il pleure « Papa, Omeniacha, Milavakia, Ophelin ». Vous avez déjà 33 ans, vous avez déjà votre diplôme de licence, mais comment vous pouvez commencer à pleurer « Papa, Milavakia, Ophelin » Non, quand même. Il faudrait que l'on redéfinisse les choses. Même Ophelin, là... il faut quand même limiter en âge. Donc, il faudrait que l'on arrête de penser que nous sommes restés orphelins. Non, ça, c'est pas possible. C'est une irresponsabilité notoire. Je pense que le Congolais est responsable de ce qui lui arrive aujourd'hui. La part du Belge est là. Je la reconnais et il faut la rétablir. Parce que nous devons enseigner l'histoire. Part, là. Nous devons enseigner l'histoire correctement. Premièrement, c'est l'exploitation du noir. Le Belge a exploité nos pères et on doit enseigner cette histoire. Et on doit avoir... On doit continuer à parler de Mbula Matadi, par exemple. Ah ouais. Quand on a construit les rails, comment on les a construits sur le sang. Quand on parle du sang du caoutchouc, des mains coupées par rapport au caoutchouc. On devra expliquer cette histoire. On n'en parle plus assez. On n'en parle plus assez. On devra enseigner. Quand on doit parler de la mort de Msiri, par exemple. Quand on doit parler de comment on a déporté des rois comme les rois des Balouba, les rois des Rounds, ainsi de suite. On a déporté des rois qu'on a tués. Donc, en fait, il faudrait que l'on... Vita, oui, tout à fait. Simon Kimbangu, ainsi de suite. C'est important. C'est pourquoi j'ai parlé de restaurer l'âme du Congolais. Mais c'est tout ça. C'est son histoire. Et ce sont ses pères, ses repères. Parce que ce pays n'a plus de repères. Dites-moi aujourd'hui, quand vous allez en France, on vous parle de Voltaire. On vous parle de vous allez en Angleterre, on parle de Shakespeare. On vous parle... Molière, aux États-Unis, on vous parle... Oui, on vous parlera de Balzac. On vous parlera aux États-Unis d'Abraham Lincoln. Mais chez nous, on parle de qui? Chez nous, on parle de qui? On n'a pas de repères. Et pourtant, nous avions des pères que nous avons tués. Vous parlez de Kimpavita. Quelle est la journée qui célèbre Kimpavita? On n'en parle même pas. Nos enfants ne connaissent pas l'histoire. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi on n'en parle pas? Il n'y a aucun intérêt politique. S'il y avait un intérêt politique par rapport à ces membres d'un secte, par exemple, qui étaient Kimpavitisme, ou je ne sais pas moi, s'il y en avait, on aurait déjà donné une date. Aujourd'hui, on a quand même la journée dédiée à Kimbangu. Donc, il faudrait que, même quand on parle de la journée dédiée à Kimbangu, qu'est-ce qu'on en a fait? Est-ce que c'est juste une journée? Est-ce qu'on passe un message? Voilà, quel est le message que l'on passe? La journée est passée au mois de mai. Qu'est-ce qui est le message qui est passé? On ne dit rien aux enfants. Qu'est-ce qu'on en fait? Vous allez voir ailleurs. J'ai vu, par exemple, Mandela Days, en Afrique du Sud. Tous les Sud-Africains, ce jour-là, ils sont mobilisés à faire une œuvre, à faire une action pour son pays. Voilà les choses que nous devrions faire. C'est ça que nous devons revenir à cet esprit-là. Nous devons ramener le Congolais à s'approprier son pays. J'ai l'impression que nous sommes là, comme je le répète, comme des mercenaires. Et ça, c'est dangereux. Le Congolais, là, comme le mercenaire, c'est très, très dangereux pour ce pays, la République démocratique du Congo, qui fête ses 64 ans d'existence. Et il y a, vous l'avez cité ici, le prof Banzamalale, qui
selon lui, le Congo n'avait jamais été colonisé. Parce que l'homme blanc a trouvé le Congo déjà organisé comme tout état naturel, et le Congo était composé de certains royaumes. Et l'homme blanc n'est venu que régner sur le Congolais. Ouais, vous avez tout à fait raison. Bon, ce sont des exceptions juridiques et historiques. Je l'ai lu, j'ai discuté même avec lui. Je pense que je ne vais pas rentrer dans ces exceptions philosophiques et juridiques. Mais néanmoins, ce que je retiens de plus important, c'est que, un, le Congo que nous avons, ce n'est pas le Congo que nous avions voulu. Est-ce nous qui avions décidé que le Congo soit Congo? Est-ce que nous nous sommes déjà posé cette question? Quand vous voyez très bien, nous sommes unis par le sort. C'est en fait le sort, c'est un blanc qui a décidé qu'on coupe les limites telles qu'on les a coupées. Et on chante dans notre hymne. Ah ben, bien sûr. Mais nous, est-ce que nous y travaillons pour nous réapproprier ce pays? Parce que réellement, on a l'impression qu'on nous a mis ensemble comme ça. Exactement. Mais nous n'arrivons pas à nous accepter. C'est un travail que nous devons faire. C'est pourquoi je vous ai dit, nous devons nous réapproprier. Nous devons rediscuter ce pays pour dire, est-ce que nous le voulons tel quel ou nous ne le voulons pas comme tel? Je vous donne juste un petit exemple. Nous avions des royaumes dans ce pays. Nous avions des royaumes-nations, si je peux appeler comme ça. Royaume Luba, royaume Congo, royaume Luba. Et ces empires étaient homogènes et c'était presque comme des nations. C'était des nations. Mais aujourd'hui, nous avons plusieurs empires et c'est ce qui fait que nous avons des difficultés à construire une nation dans ce pays. Et qu'est-ce que nous avons fait pour mettre ensemble, pour créer cette cohésion et que nous puissions avoir la même philosophie? Parce que le problème d'un pays, c'est d'abord, ça se fonde sur sa philosophie. Nous devons avoir une même philosophie. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Nous avons des peuples qui ne se connaissent même pas. Qui ne se supportent pas. Et qui ne se supportent pas. Et vous savez pourquoi? Parce que nous n'avons rien fait 64 ans après. Je vais vous donner juste un petit exemple dans le domaine qui est le nôtre, parce que je travaille à l'aménagement du territoire. Regardez une chose dans ce pays. Le Belge a fait des routes vers l'extérieur pour tout simplement exporter les minerais, les produits dont il avait besoin dans son pays. Et à l'intérieur, il ne faisait des routes qui l'intéressaient pour atteindre tel endroit et faire ceci et cela. Mais le reste ne les a pas intéressés. Regardez le Congolais quand il a pris le pouvoir. Il continue dans la forme. Et lui, pire encore. Pire, d'ailleurs. Pire encore, il n'arrange que les routes qui vont vers l'extérieur et les routes de l'intérieur ne sont pas arrangées. Et la route Solouésie conséquence, qui est arrangée alors que... Conséquence, nous avons du mal. J'ai la facilité d'aller à Dar es Salaam, j'ai la facilité d'aller en Zambie tous les jours. Je peux faire un aller-retour Lusaka, je peux bien connaître les Zambiens. Je vais passer les vacances à Victoria Falls. Je préfère aller là-bas, mais je ne sais pas aller, par exemple, à Mbujimayi, à Kabeakamanga. Je ne sais pas aller à Chikapa. J'entends le diamant de loin, mais je ne sais pas y aller parce que je ne sais pas m'accéder. Nous ne sommes pas interconnectés. Pas de moyens Voilà. Et on n'y travaille pas. Les Congolais ne sont pas interconnectés. On n'y travaille pas. Regardez comment on a dépensé de l'argent. Et l'avion, c'est les luxes. Je vous donne juste un exemple. 145 territoires. Plus d'1,5 milliard. N'est-ce pas? Ça signifie plus de 1000 km de route. 1500 km de route. C'est-à-dire, on ferait les routes, ça serait beaucoup plus salutaire que d'investir ça dans des activités dans la construction des bureaux. Du populisme en réalité. Parce que ce n'est pas pensé, parce qu'on ne réfléchit pas le Congo, mais on réfléchit comment nous allons nous enrichir, comment nous allons avoir le pouvoir. Pourquoi les gens font des actions, les politiciens généralement? Ils font des actions en fonction de l'électorat. Je prépare mon élection, alors je vais faire ça sur l'avenue Kasangulu pour que tous les passants voient. Mais si je le fais dans un petit coin où personne ne voit, je ne serai pas élu. Voyez-vous? Ça, c'est une erreur. Mais si nous devons avoir... C'est pourquoi je vous ai parlé, on a besoin des prophètes. Des prophètes, c'est-à-dire des hommes qui viennent pas pour vivre leur intérêt, mais des gens qui viennent pour prêcher une transformation. À un certain moment, les Louchois avaient l'impression que si tu vois une route être asphaltée, ça veut dire que... je ne vous le fais pas dire. Hein. Je préfère ne pas le dire. Voilà. Je préfère ne pas compléter. Je n'ai pas également dit. Mais les Congolais ont compris. Ils ont compris. Et c'est ça le problème, effectivement. Voilà. Nous devons arrêter à ça. C'est un problème réel. Mais oui, bien sûr. Nous devons réfléchir le Congo. C'est-à-dire, quand je fais des routes qui doivent faire 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ailleurs, c'est comme ça. Mais chez nous, quand vous avez une route, c'est deux ans après peut-être à peine une année, dès que la saison des pluies arrive. Il y a des routes qu'on ne fait que réfectionner. Chaque fois qu'il y a un nouveau gouverneur, on recommence. Chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, on recommence. Il y a aussi un autre aspect. Comment voulez-vous, par exemple, qu'un Moutété, là,
se retrouve dans la province du Kassai oriental. Lui qui parle Tetela, une langue qui avoisine le Lingala par exemple, mais qui se retrouve dans la province du Kassai oriental où on parle Chiluba qui est diamétralement opposé par exemple à leur langue. Est-ce que ce n'est pas l'idée du Belge, du colonisateur, de continuer à nous opposer les uns les autres ou de nous séparer, de nous voilà, parce que non mais bien sûr, bien sûr, vous allez voir ça dans beaucoup de cas, il y a des rounds de l'autre côté du Kassai et aujourd'hui ils se supportent même pas. Ah oui, ils se supportent même alors pas. Alors parce que celui-ci est de l'autre côté, l'autre est deux. Donc toutes ces limites là. Il y a les Luba au Kassai oriental, il y a les Luba au Katanga et ils se supportent plus. Alors qu'ils sont frères. Tout ça, ce sont des limites artificielles que l'on a créées. C'est pour ça que je dis que nous devons repenser ce pays. Je vais choquer certains. Je vais choquer certains et je vais peut-être vous choquer. Vous savez, quand je dis nous devons repenser, ce que nous devons rediscuter surtout. Nous devons être ouverts. Il faut une table ronde. Je ne sais pas si c'est une table carrée, parce qu'il y avait déjà une table ronde en Belgique. Bon, peut-être qu'il faudra une table carrée ou... peut-être rectangulaire, ouais, peut-être trapézoïdale. Ou que nous puissions nous retrouver et rediscuter. Rediscuter même notre vivre ensemble. Est-ce que nous acceptons de continuer à vivre ensemble? Nous devons être libres de nous dire, bon, écoutez... Nous ne voulons plus vivre ensemble, alors découpons ce pays. Vous savez, même la balkanisation, ça ne doit pas être une question que les Blancs décident. Ah oui. Ça devrait être une question que les Congolais décident. Eux-mêmes. Nous disons, nous voulons nous séparer. Pourquoi? Parce que. Bon, séparons-nous. Mais qu'est-ce que nous pouvons garder ensemble? Nous gardons ceci, nous gardons cela. Nous créons une confédération. Nous créons une fédération. Donc, nous devons réfléchir. Aujourd'hui, j'entends des gens... Tu penses que le pays ne peut pas avancer si on ne le divise pas. Il y en a qui disent que le Congo est trop grand. Moi, je n'y crois pas. Personnellement, il y a l'URSS aujourd'hui qui veut développer. Qui veut redevenir. Voilà. Pour moi, je ne pense pas que l'éclatement soit la meilleure des choses. Mm-hmm. Mais néanmoins, il faudrait que l'on laisse les Congolais discuter. Que nous puissions discuter sur toutes ces questions, que nous puissions nous dire toutes les vérités et que, à la fin, que nous puissions nous accepter. Pas par le sort du Belge, mais parce que nous acceptons nous-mêmes d'être ensemble. D'être ensemble, et voilà, c'est ça qui va nous renforcer. C'est ce qui va nous renforcer. Apparemment, ma réalisatrice ne veut pas qu'on continue ici. Elle-même signale qu'il nous reste quelques minutes seulement. Alors, parmi les... Comme le temps est jaloux. Voilà, très jaloux. Parmi les remèdes, c'est vrai que vous avez parlé du repensement de notre nation. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter parmi les remèdes qu'on doit administrer à ce pays afin que nous puissions vivre peut-être le 65e anniversaire avec un peu de joie? Alors la première des choses, comme je l'ai dit, nous devons repenser le pays. Nous devons redéfinir ce que nous sommes. En tant que peuple, en tant que nation, nous devons nous parler, nous devons nous accepter, nous devons redéfinir notre vivre ensemble. Nous devons nous dire qu'est-ce que nous voulons accepter. Vous savez, nous sommes dans un pays où il y a des gens qui pensent que nous, on ne peut pas continuer s'il n'y a pas fédéralisme. Dans un pays où il y a des autres qui pensent que si vous mettez le fédéralisme, nous, on ne peut pas supporter ça. Il faut qu'on se parle, il faut qu'on trouve des solutions. Dans un pays où nous décidons ensemble, par exemple, que nous allons appliquer le régionalisme avec retenue à la source, mais cela n'a jamais été appliqué. C'est anormal. Nous devons redevenir des humains normaux. Nous devons être capables de prendre des résolutions et de les respecter. Si nous nous disons en face que voilà, nous voulons rester ensemble, avec quel principe? Bon, ok, nous allons continuer avec le fédéralisme ou nous allons continuer avec le système de centralisation que nous avons aujourd'hui en respectant tout ce que nous avons pris comme résolution, alors ce sera un bon début. Mais il nous faudra, par la suite, si nous acceptons de vivre ensemble, nous devons restaurer l'autorité de l'État. L'État doit exister parce que c'est ce qui nous met ensemble, c'est ce qui permet que nous puissions avoir... Être des humains normaux, c'est l'organisation, c'est la réglementation de notre vie. Les chiens n'ont pas de réglementation. Les hommes ont une réglementation. Mais si nous, on ne peut pas dire « je dois marcher à gauche » parce que la loi dit « je dois marcher à gauche », nous, on doit marcher comme on veut, chacun de son côté. C'est un désordre. Alors là, nous ne sommes pas un peuple, nous ne sommes pas une nation, nous ne sommes pas capables d'être appelés des humains normaux. Donc je pense que nous devons revenir à ces sentiments-là. Et puis après, il y a beaucoup de choses à faire. J'ai entendu des gens parler de changement de la Constitution, j'ai entendu parler de tout ça. Est-ce que vous pouvez briefer quelque chose par rapport au changement de la Constitution? Non, mais moi je pense que c'est pas un problème. Mais le grand problème, c'est pourquoi nous voulons le faire. Parce que généralement, on change des constitutions pour tout simplement pour la tailler sur mesure de l'homme qui est au pouvoir.
C'est ça le problème. On a essayé de tailler chaque fois les constitutions en tenant compte de celui qui est là. Il veut glisser un peu, on crée ceci. Il veut donner le pouvoir à tel, on crée cela. On crée des blocages par-ci, par-là. Je vais vous donner juste un petit exemple. On a réduit le pouvoir des provinces en 2011. Moi, j'estime que c'était même illégal. On a réduit le pouvoir des provinces en 2011 en les mettant pratiquement sous tutelle du pouvoir central, alors que l'esprit de notre constitution, c'était de créer deux échelons de pouvoir. Et voyez ce qui se passe aujourd'hui. Les gouverneurs sont devenus comme des garçons de course que le ministre de l'Intérieur appelle comme il veut, quand il veut, en cliquant les doigts. J'allais en arriver là, avant qu'on nous apprête nos deux enveloppes, comme d'habitude, ici. Ah, il y en a encore. Il y en a encore, comme ça. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai vu un certain petit rapprochement entre vous et le pouvoir en place. Je vous ai lu. Vous dites ceci, dire la vérité sans blesser et sans flatter, revendiquer avec courtoisie et respect le conseil de votre maman. Alors, c'était à l'occasion de la rencontre entre le chef de l'État et les notables katangais dont vous faites partie plutôt, bien sûr. Et quelque part, vous dites encore que les gouverneurs sont-ils hiérarchiquement dépendants du gouvernement central, une question, quid de la libre administration des provinces, le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur n'outrepasse pas ses compétences en faisant des gouverneurs ces garçons des courses. Donc, ce sont des petites questions que vous allez, auxquelles vous allez répondre avant qu'on nous apprête nos enveloppes ici. Mais déjà, nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Alors, rapprochement avec le pouvoir. Bon, il faut dire que est-ce que je me suis éloigné du pouvoir? Je ne pense pas que je m'étais éloigné du pouvoir comme tel. Le pouvoir s'est éloigné de moi. Peut-être qu'on peut le dire comme ça. Ah, okay. Je suis un acteur politique. Je suis avec le pouvoir d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, quand nous lançons nos critiques, par exemple, c'est être avec le pouvoir. Donc, je ne suis pas loin du pouvoir. Je suis avec le pouvoir, mais à ma manière. C'est vrai que je n'exerce pas le pouvoir, mais je suis avec le pouvoir depuis tout le temps. Alors, quand je dis le conseil de ma mère, je me rappelle chaque fois que quand j'ai commencé la politique, ma mère avait peur au début. Ah oui. Et j'ai beaucoup hésité pour me lancer en politique parce que maman avait l'impression que ça ne concordait pas avec la foi chrétienne. Alors, plus j'en parlais, je discutais, ma mère et ma femme aussi, hein, ils m'ont beaucoup bloqué avant de démarrer. Plus j'en discutais avec elles, et à un moment, elles ont accepté. Et quand elle a accepté, ma mère m'avait dit, j'apprécie beaucoup quand tu passes. Quand je fais mes émissions, même quand ça passe à minuit, maman attendait. Sur Mwangaza, là, maman restait en train d'attendre l'émission jusqu'à quand ça va se terminer et elle m'appelait. Félicitations. Ou elle me reprochait. Ça, tu as mal parlé. Là, tu as attaqué telle. N'attaque personne. Alors, ma mère m'a toujours enseigné. N'attaque personne personnellement. Aucune autorité. N'insulte pas. Et surtout, garde la courtoisie, mais tu peux dire la vérité, mais tu peux la dire... Les mères comme ça existent dire, encore. Ah ouais, ben écoutez, j'ai une mère en or. Ah oui. J'ai une mère en or, paix à son âme. Vraiment. Elle m'a laissé quand même ce pourtant, côté-là. J'en suis fier. Pourtant, vous parlez d'elle comme au présent. Ouais, ben je la sens encore présente. elle est déjà dans l'au-delà, ça fait déjà quelques années, mais elle est encore présente. Et je sens tous ses conseils... dans mon esprit à chaque minute, et je crois en sa parole qu'elle m'avait dite, tu iras loin. Ah, vous irez loin. Alors, vous insurgez contre cette façon de faire? Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe avec les gouverneurs. Je ne suis pas d'accord. D'abord, il y a une théorie qui se passe aujourd'hui, on dit les gouverneurs sont élus par la vision du chef de l'État. C'est faux. Ça n'existe pas dans aucune constitution. Le gouverneur est à sa vision de la province. Ah oui. La Constitution dit nous avons deux échelons de pouvoir, le pouvoir central et le pouvoir provincial. Le gouverneur, nous l'élisons sur sa vision à lui. C'est comme ça que la loi ne dit pas que tous les gouverneurs doivent être du même parti politique que Exactement. Le chef. Ils peuvent être de l'opposition, mais ils peuvent travailler en harmonie. Ça existe dans d'autres pays, en Afrique du Sud, ça existe aux États-Unis. Le pouvoir est décentralisé. Oui, exactement, nous sommes décentralisés et nous sommes régionalisés. C'est même plus que cette décentralisation, nous sommes dans un régionalisme politique qui est presque un fédéralisme qui ne dit pas son nom. Donc, il faudrait que l'on comprenne que si vous voulez que les provinces travaillent, évoluent normalement, il faut que Kinshasa arrête avec
Des injonctions. Chaque fois appelé, chaque fois sous l'initiative du chef de l'État. Toutes ces flatteries, ça doit cesser. J'ai aimé le chef de l'État, il nous dit que le Congolais doit arrêter d'être spectateur et être acteur. Et le Congolais doit arrêter d'applaudir son bourreau. J'ai aimé ça. Il dit, vous devez être rigoureux avec nous. Vous devez être rigoureux avec ceux qui vous dirigent. Il ne faudrait pas que vous puissiez applaudir quelqu'un qui vous affame. Ce n'est pas normal. Alors, il ne faudrait pas que aussi les gouverneurs soient à la merci de Kinshasa, comme ça se fait. J'ai lu le texte de droit. Moi, j'ai l'impression qu'il les prend pour des garçons de course et moi, je ne suis pas d'accord avec nous ça. Nous sommes à la fin de cette émission. On ne pensera pas la RDC en une seule émission. Bien sûr. On le fera dans pratiquement toute notre vie. Ouais. Voilà, afin que le Congo ait bonne mine, afin que le Congo... Nous en parlerons d'ailleurs très bientôt, je pense que dans un ou deux mois, nous aurons une conférence où nous allons essayer d'exploiter toute notre philosophie sur ce nouveau Congo que nous voulons. Peut-être un mot de la fin, avant de nous... Un mot de la fin, c'est ce que nous disons chez nous, un autre Congo est possible, c'est notre Congo. Le Congolais doit s'approprier son pays, le Congolais doit repenser ce pays, et le Congolais doit dire... que cette affaire me concerne. Si ça marche pas, c'est moi. Si ça marche pas, c'est moi. Si ça marche pas, c'est toi. Nos deux enveloppes sont là. Vous pouvez en choisir une seule. Alors, tes enveloppes pièges. Hein. Allez, je prends celle de votre gauche. Hein. Ah oui. Honorable Basile Mouleba. Ok. Salutations, honorable Basile Mouleba. Honorable Basile Mouleba, c'est le président de l'Assemblée provinciale de Olomami. C'est un frère. C'est un frère que je connais depuis quelques années. Il était député provincial depuis à l'époque du Katanga. C'est déjà un doyen dans le domaine. Et puis, il a été élu député provincial après le découpage dans le Olomami, et lui encore cette fois-ci comme député provincial, et aujourd'hui président de l'Assemblée provinciale du Olomami. C'est un homme calme, pacifiste, que j'apprécie beaucoup. Merci, on a fini. Merci. Alors, très chers téléspectateurs et auditeurs, merci de nous avoir tenu compagnie, surtout d'avoir suivi ce message très puissant que nous avons communiqué dans cette émission avec Monsieur Jesse John Numbi, que nous recevions ici pour penser autrement notre Congo. Merci à ma réalisatrice en or. Elle s'appelle Lorraine Moukonko-Lenkoussou, qui était également derrière les caméras. Merci à ITC Productions, chapeautée par Daniel Kalimi Lokoko. Merci également à Tertian Toumba, à Déborah Kabi, ainsi qu'à toute la grande équipe de la radio-télévision Ozana, chapeautée par Nixon Boukassa, à la régie finale Arsène Mouanza, mais aussi Isaac Niembo. Merci à Franck Lutumba pour la programmation. Merci à la coordination générale signée le révérend pasteur Zakari Kabengele Mayamba Chamboui. À la prochaine.